Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui on sera sur le serveur de Monsieur Rat Super en police et en patrouille, on sera donc en sécurité publique. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. N'hésitez pas aussi à aller sur mon lien donc Twitch qui est dans la description ou de temps en temps je suis en stream. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée suivant quand vous regardez la vidéo et bonne vidéo à tous. Il est vendu? Eh ben, il a été volé et vendu. Allez quand même vers la casse auto, on ne sait jamais. Le gars leur a vendu un autre véhicule, sinon une Rolls-Royce, donc la plaque d'immatriculation de la Rolls-Royce. Enfin, monsieur Thomas Mendes, si je me trompe pas. Ah purée, pas le bon. Tac. C'est ça, Thomas Mendes. Thomas Mendes. Dada, monsieur Thomas Mendes. Habillé tout en noir, avec un bandana, lunette aviateur. Et mince, un bonnet noir. Voilà. Je comprends pas pourquoi il ferme pas ses véhicules aussi, lui. Il laisse ses véhicules ouverts. Ah, je vois comment il peut faire, hein, sinon il va pas les voler en plein milieu. Sur le concessionnaire, donc il est en train de les de vendre des véhicules, c'est bizarre. Enfin, moi je le fermerai quand même, hein, même si je le vends. Hein. Bah oui, ah oui. Oui. Tu fermes. Hein. Neneu. Ben, je lui ai dit, c'est très compliqué, hein. Je vais pas pouvoir forcément vous aider là. Arrête lui là. Encore lui, okay. Un autre? Non, c'est le même. Oh, c'est le même. Bonjour, ici police secours, j'écoute. On vient de me voler un autre pic. On va aller une Ferrari. Il y a le voleur de votre voiture, l'autre voiture qui est au son concessionnaire là. Monsieur! Monsieur! Allez voir au concessionnaire. Et au concessionnaire? Ok, bon, on arrive. J'ai. S'il se barre pas derrière. Pardon? Ceux qui, oui. Vendent, qui vendent pas ou qui achètent pas, viennent sortir, ce sera peut-être plus simple. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, tu en arrêtes l'histoire, s'il vous plaît, sortez du concessionnaire 5 minutes. Merci. Ouais, je vous radais les vies. Toi, reste, t'es avec nous. Mais allez devant la porte, s'il vous plaît. Okay. J'ai jaune, vous restez ici, s'il vous plaît. Vous mettez contre le mur. Merci. Le sang rouge, pareil, contre le mur, s'il vous plaît, merci. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui le propriétaire du concessionnaire? Moi. Enfin, vous avez contre le mur aussi, s'il vous plaît. Et vous êtes la barbe aussi, vous étiez témoin ou pas? Je suis témoin. Ah bah, contre le mur, s'il vous plaît. Okay. Monsieur? Je vais essayer d'aller vers la porte, s'il vous plaît. Du coup, il y avait mon suisseur balle blanc garé sur le côté à gauche, là. Et j'étais en train de parler avec l'autre client, les deux là, ils ont fermé le portail. J'ai rouvert le portail parce que je savais pas pourquoi il fermait le portail. Et je vous montre sur balle blanche qui raconte. J'ai fermé le portail. D'accord. Et Superman, vous l'avez fermé ou pas? Monsieur. Oui, là où il y avait une fermé, route, il a dit, ça a été ouais, bien fermé, c'est pour ça, je trouve ça bizarre que... Eh, hey, comment ils sont montés dedans? Bah, justement. Ils ont pas pu monter dedans s'ils avaient pas de... Enfin, ils sont obligés de le parce forcer, que je l'ai racheté à quelqu'un il y a longtemps, donc ça se trouve, ils ont gardé les clés de quelqu'un qui leur a donné. Ah, donc vous avez acheté le véhicule, hein?
Ouais, je dis parce que je rachète des véhicules pour les revendre. C'est un peu de la revente vente quoi. Ah oui, d'accord, je vois. Ouais. Ouais, mais là le problème, c'était tout en noir. Et puis ouais, les surveillez les. Vous allez voir avec les agents de sécu pour qu'ils bloquent l'accès. Ouais. C'est pas le monsieur qui a la voiture hyper rare là? Où c'est marqué weed? Ça, j'ai pas vu ça. Si, sa plaque c'est weed, je crois. J'ai juste vu que le mec était en full black. Et ouais. C'est le, pour moi, c'est le pote à, au mec chapeau de paille. Oui, là-bas, c'est hein. Celui qui m'a acheté ma voiture Rolls Royce là. Ah, pour moi, c'est lui. BL6666LCK. Bah, pour moi, c'est lui. Ouais. Du coup, au moment où vous l'avez acheté, le véhicule, hein. Ça change, ouais. Vous l'avez pas rangé du coup dans votre garage. Vous l'avez acheté, ça peut se changer en serrure. Ouais, okay. Je sais que celui qui a fermé le portail, il avait un portail bleu. C'était les deux qui étaient à côté du portail. Les seuls qui étaient à côté du portail. Non, mais j'étais juste deux. En train de regarder votre Q8 parce qu'il m'intéressait, mais c'est tout. On va se calmer. Là. Ouais. Ah, pourquoi fermer un portail? Parce qu'un Q8 nous intéresse. Mais le problème, c'est que j'ai pas fermé le portail. Bah, comment il se ferme tout seul? Bon, en fait, j'avais 4 personnes autour de moi, mais je sais pas. Enfin... Déjà, ça peut pas être lui. Il est toujours avec moi. Vous êtes venu en véhicule, là, monsieur Bleu, ou pas? Ouais, je suis venu avec le monsieur avec l'Aventador. C'est moi. Il est dehors, l'Aventador. Donc, vous deux, vous connaissez pas et vous venez ensemble. Et qui vous dit que je le connais pas? Un ami? Ah, vous venez de dire que vous étiez pas avec lui, que vous faisiez autre chose. J'ai jamais dit ça. Vous venez juste de dire que vous étiez là pour aller regarder un Q8. Hein. Si vous ah vous oui, intéressez, tout à tu étais là, le monsieur en bleu, il se retrouve à voler un véhicule et à fermer le portail. Mais un véhicule, j'ai volé aucun véhicule, je travaille pour le je vous explique. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder les véhicules là-bas, et il y a sûrement que ça m'a volé. Je l'ai vu, il est parti. Moi, après, bon, bah, c'était pas mon problème. Je suis parti, j'ai été chercher mon pote. Ah, vous restez pour l'instant au mur. J'étais pas les lui. Je me demandais s'il y avait un véhicule qui l'intéressait, c'est tout. Et après, on m'accuse de vol, mais n'importe quoi. Comme ce Torté et Lénier, là, vous êtes certain que c'est bien ces deux messieurs qui étaient à bord de vous? Ah oui, bah c'était les seuls qui étaient à côté du truc. Il y avait les autres, ils regardaient les catimines du bruit, il y avait... Vous parlez avec moi. Donc comment je pourrais être à bord du véhicule et en même temps dans ma voiture? Non mais, ah, vous moi je vous accuse pas d'avoir volé. Vous êtes juste complice, vous avez fermé le portail pour que votre porte se tire avec. Bien sûr. Ouais. Mais le portail de quoi? On a rien fait du tout. Bah, okay. Il était portail. Il était même pas là tout à l'heure. En fait déjà de 1 il n'y avait pas que nous deux. Et de 2 c'était pas nous. Ah là là. Et pas que nous près du portail. Vous avez pas dit que c'était le monsieur en bleu normalement qui avait fermé le portail? Bah j'ai dit que c'était les deux et ils étaient à côté, j'ai pas su c'est ça, pas je pense que je pense qu'il l'a bu parce que si la voiture elle est fermée ah non, et que quelqu'un l'a volé, je sais pas comment il aurait fait pour monter dedans. Et là nous deux fermons le portail. Bah il a pas j'ai pas changé les serrures, hein. Il y a un mec qui a pu avoir le rachet. Hein. Monsieur je pense que vous avez... Bien sûr. Vous êtes fou hein. Oui pardon. Vous avez vu si les intrus pas dans le véhicule. Dans le ah non, ils sont pas dans le véhicule. Eux ils aident, ils ferment le portail pour en fait c'est deux personnes. Vous voyez où il y a le Q8 là? Ah oui, en fait, donc c'est pas eux qui sont montés dans le véhicule. Non, non, le monsieur qui est monté dans, le port, dans la voiture, il était en full black. Ah oui, d'accord. Bon, bonnet noir, enfin, il était tout oui, en noir. Bonnet noir oui. Et en fait, oui, ce monsieur-là, on l'a vu un peu plus tôt dans la journée. Il est venu acheter une Rolls Royce. Immatriculée BL666CK. C'est moi qui ai changé l'immatriculation, je vous rappelle. T'as déjà regardé ça la flèche La Rolls Royce? Ouais, BL666, c'est gars. Qui? C'était Thomas Mendes. Ah, Thomas Mendes. Ah, c'est ça, Mendes. Et bah voilà, c'est lui. Lui. Lui, je lui ai vendu plein de voitures et là, tout à l'heure, il était là. Sauf que là, Thomas Mendes, il est là. C'est vrai, Thomas Mendes, oui, c'est moi. Donc, il peut pas être habillé en noir et être habillé en blanc. Ouais, ouais. Et il peut pas se dédoubler. Bon, en attendant, moi j'attends l'épreuve parce que moi j'étais juste en train de regarder un bah, Q8. Là du coup, en gros, ce que vous reprochez au monsieur, c'est juste d'avoir fermé le garage. Pour lui, bah, oui. Un peu de complicité, quoi. Parce que pourquoi et complicité fermer de quoi garage, déjà, j'ai même pas fermé le garage. La complicité, même supposons qu'ils ont fermé le garage. Et après, ce oui. sera difficile à prouver que ce oui. que soit pour. Oui. Ah oui, mince, c'est vrai. Parce que monsieur, vous après, de toute façon, là pour le moment, de toute façon, on pourra rien faire de plus, malheureusement. La seule chose que je peux vous conseiller de faire, de toute façon, c'est de si la prochaine fois vous rachetez un véhicule, de ranger le véhicule dans votre garage.
Ça te permet juste de pouvoir changer les clés du véhicule. Mmh. Et mais bon, après, c'est difficile de prouver que les deux monsieur là, ils ont fait esprit de fermer le portail pour pouvoir justement voler le Suburban. Mmh. Bah tant pis. Bon. Après, malheureusement, on va rester là, donc Ouais. Voilà. Bon, okay. Merci. Bon, bonne journée quand même. Ah passez une bonne journée. Au revoir. Ouais. Et bonne journée, messieurs. Bonne journée. Ça, au revoir. On peut nous faire rentrer à nouveau. Bon, ils peuvent rentrer. Ce soir. Bon, bah, finalement, je n'achète pas de véhicule ici hein, parce que vu les vendeurs. Bon, mesdames et messieurs, chat et chien, vous pouvez désormais rentrer. Ah, chien. Okay, merci. Ouais, chien. Ouais. Toi, t'as la même chose. Oh, les Nord-Coréens, ils vont arrêter. Ils passent pas où ils ont fait 3 fois déjà. Comment ça fait chier, le son, son truc. Et puis hier, tu fais. Faites attention quand vous reculez, il y a des personnes qui marchent. Ah ouais, c'est une route. Hein. J'ai mis un coup de poing. Je l'ai fait quand même faire attention. On est sur le trottoir. Ah oui, je me suis arrêté. Hein. Ouais. Bravo d'Alpha, pour information, tu peux lever le dispositif. Pas arrêté, c'est moi qui l'aurais arrêté. La valise. Ah, c'est bon, on peut rentrer. Là. Ils sont du père quand même. On peut juste tomber. Là, ils sont à l'ouest. Total. Une de secrète cousin lui. Ouais. Le mec, tu veux porter plainte parce qu'ils ont fermé un garage quoi. Ouh. Mais là, mignon, mais à un moment, enfin. Je veux bien te la prendre, hein, mais je te dis directement, dès que t'as fini, ne... bon, ça signifie. On va aller vers l'Exide histoire de voir s'ils ont ouvert cette deux fois de loin. T'as vrai, ils avaient terminé. Oula. Là, bah alors. Quoi? On a failli finir dans un ça je joue dans la barrière de sécurité. Bah, pour finir. Moi, ouais, bah ouais. Au revoir. Ça va, il tire trop en silence, non? Bah, oui, je peux, mais non. Pam 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 pam. Il aurait une moteur maintenant. La vache. Puis il va se flasher, ça va être marrant. Ouais, mais si c'est le même, si c'est le même que hier, le même que hier, il s'est pris le pont de pleine face là-bas. Ouais, laisse tomber. Ouais, ouais, vous les faltitiez, vous les psaumes sous du pont, le type. Sauf que bah, le pont il l'a vu un peu trop haut, je pense. Bah, c'est l'hélicoptère. C'est les journalistes. C'est tous les hélicoptères. Les journalistes. On se rend compte d'être dedans, ça va faire kaboum tout ça. Oh, qui c'est qui m'embête encore? En parle-t-il. On m'a volé un autre véhicule. Volé une Ferrari. Bonjour, c'est police secours, j'écoute. Il a tenté de faire un flash vitesse, c'est sûr. Il faut trouver un endroit où on peut être tranquille. Ah, c'est ça le truc. Bien pensé à mettre là au niveau du manoir là. T'as juste à descendre. Mmh. Ok, bon, on va aller voir ça tout à l'heure. Une Ferrari rouge, Foxtrot. Voilà. Ouais. Ok, bon, bah, c'est bon. Il n'y a pas intérêt à non plus. Ouais, pas de soucis, je vous remercie. Bonne journée à vous. La boîte, comment il fait? Bah, il n'y a plus de travaux du tout. Comme ça, c'est réglé. Mmh. C'est pas plus mal. J'aimerais bien faire ça, moi. Sûr, si on se met au-dessus du pont. Non, je suis au-dessus. Bonjour, vous êtes placé en Oscar. Vous prenez le métro pour l'Exide. Ouais, direction l'Exide. Un qui stoppe ici et un qui se met, tu sais, sur le pont là. Et qui prend les vitesses. Oui, ouais. Ah, y'a moyen de faire un truc. Non, c'est surtout BMO en fait, y'a moyen de faire un beau truc, je pense. Avec URI. Ouais. Ah, genre y'a les BMO qui flash et y'a URI qui part. Même pas besoin de partir, il va venir tout seul au carrefour donc. Oui, il va venir au carrefour, mais.
stopper au carrefour, à flip la place de côté. Et quand vous avez à grande vitesse, vous mettez une herse. Choquer le type. Va le faire bizarre. Hein. Mm. Respect mon commandant. Bonjour, repos. Respect mon loup. Respect, ça va. Ça va et vous ? Ça va, ça va. Y'a une que ça bouge pas ? Oula, si tu savais. Tu savais comment ça bouge. Ouais. Il y a des vols de véhicules, mais bon, on sait pas qui c'est. Ouais. Pour les clés. Alors, on peut peut-être sortir une BMO, non ? Une BMW à ce moment-là, la Maserati, elle fait office d'interception, non ? On peut faire des patrouilles si vous le souhaitez. Tu veux sortir une BMW ou pas ? Quoi ? Il y a l'un de vous deux, tu veux sortir une BMW ? Ah. Je veux bien, moi, si vous le proposez, avec plaisir. On va faire ça, alors. Et là, Rattelos ? Bateau ? On l'entend pas, en tout cas. Mais merde, on peut pas ici, y'a pas de SP. Si, y'a. SP ? Ah ouais, non, bah oui, y'a les motos et y'a les villes et BMO. Hop là, excusez-moi. Bah, vous mettez en haut une tenue, vous mettez en haut une tenue Eri. La tenue blouson, ouais. Mais y'a la. Ouais, y'a tout ce qu'ils font. J'y se passe là-dedans. Bah, vous passez conducteur. BMO, on va faire un flèche vitesse. D'accord. Bientôt. Coopération. Alors. Ah ouais, c'est qui gueule. Oh ça va, il y a encore de l'essence. Tiens, le Bronx en attendant qu'ils sortent la BMO. Bronx ? Ouais, vers le Bronx. Ah bah c'est bon, ça a été. Pardon. Un petit rototo. Pas de soucis. Flash vitesse avec BMO. D'accord, ok. Bien service de la patrouille Alpha 2 ZVT, je dans des BMW, me laissons RT. C'est bien au sud, Oscar. Ouais. Vers le croisement de la 2x2 voies. Ah, ça va, le mur il est toujours intact. Quand même. Oui, pour une fois. Il est toujours des glagnes.
Au stand Alpha. Pas souhaité. Vous souhaitez faire comment du coup pour le flash vitesse, vous venez avec nous ou... Affirmatif, vous prenez sur le pont et nous on les intercepte. Ou vice versa, c'est à vous de choisir. Pas entendu au cas où elle fait. Oh oui, j'ai un héros, ce serait plus simple. Yes, bah à ce moment-là, on peut interpeller si vous voulez. Ouais, ça marche. Et on verra après si ça tape vraiment dans des grosses petites vitesses, on vous laissera plutôt intercepter du coup. Oui, vous voyez, pour un moto, ça risque d'être. Peut-être un peu marron. Bah, on vous laisse prendre déjà au croisement là, attendre ici à la rigueur. Et nous, on va les prendre en flash vitesse vers le pont. Yep, ça marche. Vous allez à droite. Encore à droite. Là ? Ouais, à droite. Voilà. Ozorak. Ça risque d'être calme par contre. David, où ?
Oscar d'Alpha. Transmuté. Elle était à combien la Féfé? 170. Reçu. Thomas, qu'est-ce qui est long? On aura peut-être des motards. Peut-être. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Hein, si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne Twitch. Le lien figure donc dans la description. Au-dessus, il y a quelques vidéos. Et bien sûr, de temps en temps, je suis en live dessus aussi. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous avez regardé cette vidéo.